Les holocaustes et les
Il nous rétablira au cœur même d'une nouvelle création. Il inaugurera le règne.
Notre attente doit être joyeuse, notre espérance doit être grande. Mais attention, cette attente ne peut être passive. Il faut nous préparer à cette venue, car Dieu ne compose pas avec notre péché. Cette préparation consiste en un repentir, c'est-à-dire un retour à Dieu. Rappelez-vous qu'à chaque Eucharistie, le prêtre nous invite à élever notre cœur. Ce à quoi nous répondons, nous le tournons vers le Seigneur. Voilà tout le sens de la conversion, se tourner sans cesse vers le Seigneur. Deux femmes ont vraiment attendu dans la joie le Sauveur ici. Ces deux femmes, deux cousines, Marie et Élisabeth. Élisabeth et Marie, les deux mères de la scène évangélique de ce matin, sont des maîtres comme deux croyantes émerveillées, tout empressées de rapporter à Dieu ce qui leur arrive. Que fait Marie? Eh bien, Marie se met en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle se hâte joyeuse vers la merveille annoncée par l'ange, vers sa cousine qui, elle, vient de la prendre et enceinte pour elle. Quelle joie de fêter l'événement avec Élisabeth, qu'on disait une femme stérile. L'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth et l'Esprit Saint lui suggère de proclamer la double béatitude de la mère de l'enfant qu'elle porte en elle. Bienheureuse Marie, qui porte en elle l'enfant du salut, le Seigneur. Bienheureuse Marie, qui a cru et qui a consenti au projet de Dieu. En contemplant ces deux femmes, Marie et Élisabeth, nous sommes invités à renouveler notre cœur, à entrer dans une attitude de louange. Bienheureux serons-nous si nous savons nous tourner joyeusement vers celui qui vient tout don et en particulier le Sauveur, ce bienfait par excellence de la promesse à maintenir un peuple entier dans l'espérance. Bienheureux serons-nous si au travers des événements nous percevons la visite du Seigneur. Bienheureux serons-nous si dans les visages de nos proches, de ceux qui font partie de notre vie quotidienne, nous reconnaissons la ressemblance à notre Seigneur. Oui, ce jour est un jour pour reconnaître les dons de Dieu, un jour pour la revanche, un jour pour aller délivrer au bien des cœurs. On imagine le rire de ces deux femmes qui se retrouvent contentes, joyeuses. Qu'est-ce l'Évangile ne nous a pas gâté sur ce point en disant ce qu'elle pouvait bien dire? Ce que nous savons, c'était deux femmes et bien qui vivaient les événements dans leur contentement. Et bien les enfants qu'elles portent dans le secret de leur corps annoncent la venue du Seigneur. Oui, nous pouvons dire que Dieu emprunte les pas des humains. Dieu se sert du ventre, du ventre de Marie pour arriver jusqu'à nous. Et c'est pourquoi on dit facilement que Marie a été la première prêche. Marie a porté en son sein le Fils de Dieu. Et quand, pendant le temps de Noël et l'Épiphanie, nous allons rendre visite, nous irons prier devant la prêche, pensons que Marie a été la première prêche. Marie a porté en son sein le Fils de Dieu. Oui, Dieu se prépare dans l'ombre du corps des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Alors avec Marie, nous sommes invités à accueillir le Messie annoncé. Nous sommes invités à accueillir Dieu dans sa vie. Alors, à quelques jours de Noël, nous sommes invités à prendre la route avec Marie. Accueillir Dieu dans sa vie, c'est se mettre debout, s'arracher à son confort anesthésiant, s'échapper d'apprendre de ses soucis et préoccupations personnelles pour marcher sur des routes de visitation à la rencontre des proches, à la rencontre du pauvre, à la rencontre du malade, à la rencontre de l'incroyant, de celui qui attend aide et espoir. Prendre la route avec Marie, comme elle, allait faire bouger la vie et l'avenir dans l'Église et dans nos sociétés bloquées par ses contradictions.
Nous allons communier et devenir porteurs de la vie du ressuscité. Alors, comme Marie, nous nous mettrons ensuite en route rapidement, heureux d'avoir cru. Et puis celles et ceux que nous saluons cette semaine, ressentirons en eux le joyeux tressaillement de la bonne nouvelle. Oui, à quelques jours de Noël, soyons déjà dans la joie parce que le Seigneur vient à notre rencontre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De ton évangile et de leurs frères. Que ton Esprit Saint
ciel dans leur mission et qu'ils soient témoins pour tous les hommes de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, nous te prions. Le chômage, les crises migratoires et sociales. Que ton esprit de sagesse éclaire tous les responsables politiques et les aide à prendre des décisions juste pour le bien de tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Confiant au Seigneur, tout le monde.
ces offrandes déposées sur nos autels, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a pétri le sein de la généreuse Marie, par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, les siècles des siècles. Amen. Thank you.
Thank you.
Oui, Your Honor, c'est vrai. Seigneur notre Dieu, le bonheur de Marie et d'Élisabeth est aussi le nôtre aujourd'hui. Par Jésus-Christ de Marie, tu visites Israël et sa naissance vient accomplir ta promesse. Que ta venue au milieu de notre monde nous fasse tressaillir de joie devant ceux qui t'espèrent. Toi, le Dieu qui ne cesse de venir, aujourd'hui et pour les siècles. La pelle est posée dans le berger d'eau, le dame de bonne dame.
Thank you.
venir fleurir la tombe. Pour ceux qui ne peuvent pas, on vous attend déjà au niveau du pavillon. Par rapport à la pluie, au lieu de faire au niveau du kiosque de la place de la Victoire, nous sommes au niveau du pavillon de la ville. Merci à vous. Donc pour ceux qui veulent nous suivre, nous allons au cimetière. Merci. Et c'est pour vous, le cimetière. Pointe à Pitre à Bergevin, la première porte. Vous vous présentez? Ah oui, bonjour, ouais. Je suis Lydie Alvine, la petite fille de Madame Alvine. Oui. Alors pourquoi cette manifestation? Eh bien, il était temps d'honorer cette grande dame qui a beaucoup fait pour la Guadeloupe. Et donc, quel plus beau jour qu'aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Alors, le déroulé de la manifestation? Eh bien, nous avons commencé par la messe et nous continuons, donc, comme je viens de le dire, au niveau du fleurisme, au niveau du cimetière, et nous allons finir donc, au pavillon de la ville avec plusieurs animations, témoignages et en accompagnement avec l'association Advil. Ça va se passer donc ça chaque année, vous allez faire cette manifestation? Il y aura sûrement des variantes, mais on va essayer de maintenir chaque année. C'est quoi la manifestation d'aujourd'hui? La manifestation d'aujourd'hui, c'est un hommage à Madame Aimée Adeline, une grande dame de la Guadeloupe qui a servi la culture guadeloupéenne, qui s'est mise au service de la jeunesse guadeloupéenne, des femmes guadeloupéennes. Parce qu'avant même d'avoir créé l'Abriscan son groupe, il y avait l'entraide féminine. C'était un lieu où les femmes, les jeunes filles, venaient pour apprendre à coudre, être des jeunes filles accomplies. Voilà, et puis après elle a créé l'Abriscan. Et à l'Abriscan, elle accueillait des jeunes filles, des jeunes gens, avec qui c'est un groupe folklorique. Avec ce groupe folklorique, elle est allée dans de nombreux pays, pas seulement en France, pour représenter la culture guadeloupéenne. À l'époque, bien sûr, c'était un groupe folklorique. Elle allait sur les bateaux. Quand les paquebots arrivaient, ça ne se passe plus de la même manière aujourd'hui. Les paquebots arrivaient, ils étaient donc sur le port. Et donc, en attendant, elle allait sur le bateau pour présenter la culture guadeloupéenne. Elle a fait travailler notamment Vélo, qui était l'un des plus grands tambouriers de la Guadeloupe. C'était le tambourier de Madame Adeline, Monsieur Sopta, l'autre de Saint-Claude et de Sainte-Rose également, dont j'oublie le nom. Donc elle avait les grands musiciens de l'époque qui accompagnaient ses danseurs. Et donc elle a fait un travail remarquable. Bien sûr, vous savez, bien souvent, on ne reconnaît pas toujours le travail des personnes. Et quand on part, quand on est parti, comme on dit, qu'on veut Basile, vienne chercher, eh bien, il n'y a pas oublié. Moi, personnellement, je dis toujours que je n'ai pas été chez Madame Adeline. Je n'ai pas été danser chez Madame Adeline. Enfin, j'ai vu Madame Adeline. Alors, vous avez répondu à ma question, parce que c'était ma question. Est-ce que vous avez participé à Basile? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que ma mère, à l'époque, ne l'aurait pas permis que j'aille danser le boca. Donc, je n'ai jamais mis les pieds chez Madame Adeline, mais je passais devant chez elle quand je sortais de l'école Michelet. Je suis allée voir ses spectacles quand je suis devenue enseignante. Et donc, je dis que moi aussi, si j'ai fait quelque chose, si j'ai servi ma culture, c'est quelque part aussi grâce à tous ceux qui sont passés avant moi. Donc, notamment grâce à Madame Adeline qui avait commencé, parce qu'il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Là, il n'y a rien dans les archives par rapport à cette tradition. Donc, c'est grâce à Madame Adeline, entre autres, Madame Ildever Douta, grâce à Francis Killer, c'est grâce à ces personnes qui sont passées avant moi que j'ai pu faire un travail au service de la Guadeloupe. Très bien. Dites-moi, alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une relève qui a suivi par rapport à ces manifestations qui se sont passées avant? Comment? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une relève qui a suivi comparativement les manifestations que Madame Adeline faisait avant? Mais absolument. Je pense que vous connaissez l'Académie du Cas. J'ai créé l'Académie du Cas qui a maintenant plus de 30 ans. Et donc il y a d'autres personnes qui continuent. Donc si je vous dis j'ai fait ce travail, bien sûr le travail continue. Non seulement j'ai créé, avant de faire l'Académie du Cas, j'ai créé mon école, l'école de Jacqueline Cachemire. Après j'ai rencontré mon époux Yves Toll, nous avons montré l'Académie du Cas, qui est devenue une école de danse, parce que c'est ça. Madame Adeline, elle avait le groupe folklorique et elle faisait. Mais moi j'ai voulu faire une école, de telle manière que le boca soit à la disposition de tout le monde. Quelle que soit la personne, pas obligatoirement pour aller danser sur scène, sur podium. Donc toute personne qui voudrait découvrir. Donc c'est ainsi que l'Académie du Cas comptait plus de 500 élèves chaque année. Et j'ai passé la main il y a 15 ans, le travail continue avec la nouvelle présidente, avec la nouvelle équipe. Et donc les gens dansent du plus petit au plus grand.
l'Académie du Cœur en dehors d'être une école de danse, d'être une troupe de danse d'enfants, d'adultes, d'adolescents, est devenue aussi un centre de formation, de telle manière que j'avais souhaité pouvoir transmettre justement transmettre la manière de, d'enseigner, si vous voulez, d'enseigner le groupe, les danses traditionnelles en général. D'enseigner les danses traditionnelles en général. Et c'est ainsi donc que j'ai fait une formation à laquelle il y a eu une cinquantaine de personnes de Guadeloupe. Entre autres, par exemple, Mario Coco, qui à son tour a monté son école. Léna Blue, c'était mon élève, qui a son école. Donc le travail continue. Alors, je suis bien content. La relève est suivie. Absolument. Okay, merci. Il faut qu'elle continue dans toutes les communes de la Guadeloupe. Très bien, très très bien. Merci encore. Vous n'êtes pas présentée. Je suis Jacqueline Cachemire-Toll. D'accord, merci. Canadien.com. Très bien, merci. Bonne journée à vous.